minutes to play of added time. This is the chance. And is this the moment for them? Salut tout le monde, c'est Medizamon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo consacrée sur FIFA 15, donc la partie 3. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans mes commentaires j'ai lu qu'il y avait mes abonnés et des connaissances à moi, des copains à moi plutôt, qui m'ont demandé de jouer avec leur équipe préférée. Donc moi dans mes vidéos précédentes j'avais dit que je pouvais jouer avec vos équipes préférées. Donc il y a certaines personnes qui m'ont demandé de jouer par exemple avec le Bayern et la Juventus de Turin. Donc je vais faire ça. Voilà. Je vais jouer avec ces deux équipes. On va faire une saison en ligne. Hein, contre des gens. Donc au moins on aura du niveau. Donc là, on va faire jouer match. Après on va faire. Attendez. On va faire changer maillot et équipe. Hein. Après on va prendre. Bah la Juventus tout simplement en Italie. Juventus voilà. On prend le maillot. Ouais celui-là. Bon, on va changer tout ça là. Bon, pas comme ça. Voilà, moi je vais comme ça. Maintenant on va faire ça. Non. Il est où Pogba? On met Pogba en attaque. On s'en fout. Il y a qui ici? Il y a personne. Hein. Donc c'est bon. Donc attendez, je vais juste faire un petit changement comme ça. Juste mec Pogba capitaine. Tout capitaine, enfin tout Pogba. Voilà. Donc c'est bon, on a terminé notre composition d'équipe. Donc voilà, j'espère que la vidéo dernière sur Black Light Retribution vous aura plu. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez aimé ça me motivera à continuer. Voilà. Donc là on va rechercher. Juste une prévention, dans mes prochaines vidéos FIFA que je ferai, mais pas maintenant je pense, je risquerai de faire un featuring, voilà, en gros avec un youtubeur que j'aime assez particulièrement. Voilà, c'est un bon copain à moi qui fait de assez bonnes vidéos, il s'appelle Gab Dingu, n'hésitez pas à aller voir. Bah, de toute façon je mettrai le lien de la description, enfin dans la description tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, abonnez-vous, likez, commentez ses vidéos, ça lui fera très plaisir. Et ça le motivera à continuer ses vidéos. Voilà. Donc dédicace à toi, Gab Dingu. Voilà. Et Gab Dingu m'a aussi demandé de jouer avec une équipe, donc le Bayern. Donc je jouerai avec lui. Enfin, je jouerai avec le Bayern. Tout simplement. Bah, au prochain match. Donc là, je joue avec la Juventus de Turin. Donc celui-là qui m'a demandé. Enfin, mon ami qui m'a demandé de jouer avec la Juve. M'a demandé que je marque avec Pogba et de le mettre en attaque. Donc du coup je vais faire tout pour que. Ah. En tout cas, il veut que je gagne avec la Juve. Sur cette interception, c'est impeccable. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Ils sont assez lourds en gérer les joueurs de la Juve. Ah, je suis hors jeu. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors jeu. J'espère qu'on va gagner ce match. Donc la personne qui m'a demandé de jouer avec la Juve, cette personne là s'appelle Kinder Walid, hein, il a aussi une chaîne. Voilà. Il faut récupérer ce ballon maintenant.
Donc voilà, donc cette personne-là, c'est une personne que j'aime aussi particulièrement. Hein. Voilà. Si je perds avec cette équipe-là, je referai un match tout simplement avec la Juve. Histoire de prendre une revanche, comme on peut dire ça, voilà. Non ! Ah ! Je voulais pas faire ça. C'est moins qu'on puisse dire. On revoit encore une fois cette action. On était vraiment pas loin du but. Oh ! Non ! Je voulais faire une passe. Ouais, il y est allé sans se poser de questions là, Hervé. Bon, on va essayer de bien jouer. Exprès pour mon ami. Enfin, pour mon abonné. Voilà. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Morata. Mascherano en rentrée pour le gardien. Non. Il siffle et lui redonne. Neymar. Ah d'accord, j'avais pas cramé qu'on était contre le Barça là. Ah mince, je l'ai mis en touche, je me suis trompé de touche. Ce sera un match serré. Hein. En plus ça me rappelle la finale. Ah, comme par hasard, c'est même scénario que la finale presque. C'est ça la défense. Mais non. Bilal, attention à cette perte de balle au milieu. On peut pas perdre la balle comme ça. Pogba. Oh là là, Pogba. Pogba. Non, il y a faute, monsieur, là. Il m'a tenu. L'équipe à domicile qui décide de jouer le hors-jeu. Attention, là, ça demande une grande concentration derrière. Bien joué, mais ça passera pas. Arrête de jouer au goal, j'aime pas les gens comme ça. Ils font tourner pour rien là. Enfin, ils jouent comme ça là surtout. Lionel Messi. Suarez. Ouais, bonne circulation du ballon. Evra. Evra. Qui passe. Voilà. Non. Mauvaise passe. Moi j'ai fait ici en fait. Pour le moment on se débrouille pas mal. Mais non, mais j'ai dit de faire une passe là-bas, il fait une passe là. Hors jeu, je crois. Ah. Iniesta. Là, je joue un peu mal quand même. Oh, la faute. Il y a touche pour la Juventus de touche pour moi. Alors qu'on s'oriente visiblement vers une autre. Donc on voit qu'il y a du niveau là. Il y a toujours 0-0, il y a toujours. Il y a de la bonne défense, tout ça. On l'a fait. On l'a fait. 1-0. Paul Pogba. Voilà Kinder Wally, je suis en train d'accomplir ta touche. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait. Allez, on l'a fait, mais on l'a fait. Kinder Walid, grosse dédicace à toi. On l'a fait. Le Barça qui fait tourner.
C'est pas encore fini, mais voilà. Ah, et cette stade de possession qui ne fait pas tout, hein, loin de là. Oh là, Pogba. Ah, mince. Ah non. Pour Messi, la frappe. Oh, c'est ça, Buffon. Et ce sera un corner. Il a mis une claquette. Bon, là, j'essaye de bien jouer, de pas perdre avec l'équipe de mon abonné qui m'a demandé. Ah, Mongol, il a pas eu de respect pour la frappe. Oh là, on va essayer de marquer. On l'a fait. Le doublé de Paul Pogba. Le D0, mesdames et messieurs. On l'a fait. Voilà, Kinder Wally, tu peux être content. J'espère que je ferai autant avec l'équipe que Gab Dingue m'a conseillé. Enfin, qui m'a... Voilà. Qui m'a demandé de faire. Bon, de toute façon, on va jouer avec une très bonne équipe. Hein, ce sera le Bayern. Et le break est peut-être fait à la pause. Hein. Le score pour le moment est de 2-0. Cette équipe qui montre si besoin était qu'elle sait voyager. Et la course en avance juste avant la pause. Ça vient conclure une excellente première période pour elle. 2-0. À la Juventus, hein, première période. On va voir si elle confirme dans la oh, magnifique. Qui va démarrer. Pogba. Ah non. Ouais, geste impeccable. Andrés Iniesta. Kitic. Morata. Avec Messi. Sergio Busquets. Andrés Iniesta. Et trouve Neymar. Oh, bien joué. Bon, il y a 2-1 là. Mais on va pas se faire remonter comme ça. Ah, c'était beau, c'était beau. Je cache pas que c'était beau. Mais courez! Voilà. Ah, je passe à Pogba. Sur cette interception, bien joué. Oh, oh là là, oh là là. Oh, 3-1. 3-1, sauf que c'est pas avec Pogba, mais c'est pas grave. Tevez pour le 3-1. Ce but qui vient confirmer la fébrilité du gardien. Et il n'est pas trop à la faute, là. En effet, pas très rassurant pour une défense. Et on se délecte de revoir encore une fois cette superbe percée de Tevez, tout en puissance et en vitesse. Attendez deux petites secondes. Voilà, on reprend. Il intercepte. Messi. Ah, j'ai l'impression qu'ils essaient de... On va pas se faire remonter comme ça. Oh, un tacle parfait qui va faire plaisir aux puristes. Oh, tout seul. Oh, la grosse occasion, non. Ah, j'ai pas pu anticiper. Excusez-moi. J'ai gâché une grosse occasion. Mais bon, c'est pas grave. Daniel Alves. L'équipe à domicile qui décide de jouer le hors-jeu. Attention, hein, ça demande une grande concentration derrière. Ah non, là pas du tout. Paul Pogba. Non. Le gardien qui peut s'emparer du ballon. Eh oui, sur trop d'occasions les amis là, c'est pas possible. Paul Pogba, Paul Pogba pour le 4-1, le triplé pour Paul Pogba. Voilà, j'ai peut-être raté des occasions. Mais là, on mène au score largement. Peut-être avec Paul Pogba encore. Ah non, c'est pas Pogba. Non. Aïe. Aïe, ça fait mal ça.
Oh! Peut-être le tournant du match pour le gardien avec cette Non, j'aurais pu la mettre celle-là. Oh magnifique! Oh magnifique Bonucci! Oh magnifique Bonucci! Oh magnifique! Donc là, n'oubliez pas qu'on est en ligne, les gars. On joue contre vraiment quelqu'un. Et là, je suis en train de l'exploser. J'ai lobé le gardien. Excusez-moi, ça fait une petite coupure. On se rejoint exactement au même endroit. Hein. Enfin, il s'est rien passé de. Il s'est rien passé tout simplement. Oh, il a glissé. Je veux marquer avec Pogba là. J'ai envie de marquer avec Pogba. Oh! Oh, il y a faute là. Ah, bien joué, petite talonnade là. Je pense pas qu'il va me rattraper. Non! J'aurais dû la prendre. Il va pas me la prendre cette balle, moi je vous le dis. Pogba! Pogba! Non! Pourquoi? Bon, là je joue pas dans ma totalité de. Voilà, je joue pas vraiment bien. Je vous précise, je joue pas vraiment bien. Même si je mène largement au score, je joue pas très très bien. Je suis désolé pour Kinder Wild, mais au moins j'ai marqué avec le joueur que tu voulais, avec Pogba. Je pense que tu en auras encore des buts avec Pogba. J'espère que je vais encore marquer. Mais bon, même s'il y a toujours 5-1 ou 5-2 ou 5-3, hein, on mène largement au score quand même. Il n'y a pas de. Bon là, ça va pas être avec Pogba, désolé. Ah si, peut-être avec Pogba, peut-être. Ah non, ça va pas être un but du tout en fait. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Carlos Tevez. Bon, ça va être Pogba. Paul Pogba. Oh. L'action qui n'est pas terminée, attention. Oh. Il allait mettre un but magnifique là. Il allait. Neymar. Il donne à Messi. Ça va pas rentrer. Pereira. Il est trop bonne défense. Dani Alves. Luis Suarez. Kitic. Oh là. La défense allait. Oh! Non, j'ai fait quoi? Je voulais mettre à Pogba. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Bon, je la marque celle-là. Allez hop. 6-1, Tevez. Alors là, le gars, on l'explose. Et vous savez pas, un point. Désolé, c'est pas avec Pogba, mais peut-être le 7-1. Je vais essayer de le mettre avec Pogba. Donc là, on joue contre quelqu'un en ligne. Hein. Au début, on pensait que. Enfin, je pensais que j'allais me faire gagner ou quelque chose comme ça. Regardez bien le score maintenant. Regardez le score. Oh là, c'est Pogba ça. Tu la marques. Non. Pourquoi il est sorti? Bon. Il y aura peut-être un but là. Oh, hors jeu. Allez, bim, hors jeu. Ah, il y aura peut-être un petit but là. Non, mais pourquoi tu fais des passes comme ça, Pogba? Ah, sort. Bon. Au moins j'aurais marqué 3 buts avec Pogba, hein. Kinder Wally, tu me diras si t'es satisfait. Si t'es pas satisfait, t'inquiète, de toute façon t'inquiète pas. J'ai vu que la Juve, c'était une assez bonne équipe dans FIFA. Donc je ferai. Oh. Je ferai plusieurs matchs en ligne, t'inquiète pas avec eux.
Tu voulais qu'on gagne avec la Juve? Bah c'est fait. Bah c'est pas grave. 3 buts avec Pogba, c'est déjà bien. Maintenant on va jouer avec le Bayern. Donc l'équipe que FC Gabdungum l'équipe que Gabdungum m'a proposé, qui voulait que je joue avec. Donc ce que je vais faire maintenant. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, commentez mes vidéos, ça me fera très plaisir. Donc salut à tous. Ciao, et dans la prochaine vidéo, le match du Bayern sera là. Ne vous inquiétez pas. Ciao.